Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme news pour Diable de Keita. Nena, je pourrais revenir en Italie. Maintenant, je suis modèle sur l'Italie pour Diable de. Vraiment, il connaît l'Italie, il a tourné l'Italie, radiant surtout avec la Lazio Rome de la saison 2013 jusqu'en 2017. Il a été exceptionnel sous le maillot de la Lazio de Rome. Maintenant, il a quitté la Lazio pour l'AS Monaco, donc l'international sénégalais. 24 sélections, 4 buts, a une nouvelle fois connu une expérience en Italie avec l'Inter Milan. Ben, expérience à Lazio, vraiment, Duco, Fate, même, le football italien me manque. Le football italien manque un peu. J'ai grandi en Italie avec la Lazio, puis j'ai passé même un an avec l'Inter. Donc, pour moi, de l'Italie, que Lou Diaffé. Donc, et j'ai toujours une relation spéciale avec Candreva, D'Ambrosio et Gagliardini, les joueurs de l'Inter Milan. Donc, vraiment, j'étais proche de la Juve de Turin, un transfert qui ne s'est pas concrétisé. Donc, il était proche de signer à la Juve de Turin. Et ça, c'est vrai. Donc, durant cette période, il y avait beaucoup d'informations qui disaient que la Juve voulait signer Diao Baldé, Keita, mais finalement, l'innocent sénégalais n'a pas signé en Italie. Il a préféré quitter l'Italie pour la principauté de Monaco. Donc, c'est ce que Diao Baldé Keita. Maintenant, on a des juifs, mais finalement, donc, vous voyez, le transfert est un homme. Donc, mais, il veut retourner. Il pourrait, il veut aller en Italie, parce que l'Italie, il veut retrouver sa forme, sa belle forme en Italie, a lâché Diao Baldé Keita lors d'une interview accordée au journaliste Gianluca Di Marzio. Donc c'est clair que Diao Baldé Keita actuellement forme un bon point de chute pour relancer sa carrière, parce qu'à Monaco il n'arrive pas à s'imposer. Venir de Ismaïla Sarr, Ismaïla Sarr gis nañu aussi bokku na ci joueur yi nga xamantene il se peut que ñu quitter sen club. Ismaïla Sarr actuellement il fait une bonne saison avec Watford après avoir joué à Genoa pour Metz Rennes. Ismaïla Sarr poursuit sa progression fulgurante à Watford. Il a été exceptionnel, surtout durant ce mois de février où il a fait tomber les restes de Liverpool de Sadio Mané. Donc avec ses belles performances, européen pour New York, Ismaïla Sarr, surtout en Angleterre. Donc tous les clubs ont les yeux rivés sur Ismaïla Sarr. Montre New York. Et c'est Ismaïla Sarr à la fin de la saison de la Des Watford. Parce que généralement, genre club est tremplin. Ça donc il y a une saison d'adaptation à que pour venir, donc tu es un joueur capable de t'imposer dans les plus grands clubs. Après, de signer dans un plus grand club, comme l'a fait Idrissa Ganagé. Tu as fait même Aston Villa, moi de deuxième division, moi de Everton, un club beaucoup plus grand, beaucoup plus huppé que Aston Villa. Donc, est-ce que Ismaïla Sarr, de suivre les pas d'Idrissa Ganagé, moi de Mind Light, est-ce que Ismaïla Sarr, de l'Andes Watford à la fin de la saison? Parce que la performance de Midef, est-ce qu'il y a un club Angleterre, un club qui est un club, le dossier Ismaïla Sarr, moi de Mind Light, est-ce que Ismaïla Sarr, il va rester à Watford la saison prochaine?